Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo que je devais déjà vous faire depuis un petit moment, c'est-à-dire une semaine. Je crois que Pâques, ça fait déjà une bonne semaine que c'est passé. C'était mon gâteau de Pâques. Voilà, la recette de mon gâteau de Pâques. J'ai pas eu le temps de vous monter la vidéo avant. Bon, ça y est, le gâteau, vous pouvez le refaire pour un anniversaire, pour autre chose, n'importe. Vous enlevez juste les œufs. Et vous pouvez le refaire pour un autre événement. C'est pas un gros problème. Le principal, c'est la recette. Donc moi j'ai donc je m'étais fait un bon. D'habitude je fais des lamala. Alors qu'est-ce qu'un lamala? Un lamala, c'est un gâteau. Bon, j'appelle ça un gâteau sec. C'est pas sec. Hein. C'est comme un 4 quarts si on veut. Mais en forme d'agneau, voilà, donc j'ai un moule en forme d'agneau, et ça fait un gâteau, donc tout simple, parce que là, il n'y a pas de crème, il n'y a pas fourré, il n'y a vraiment strictement rien, c'est que du gâteau en forme d'agneau, voilà. Donc, je vous mets une photo de ce que c'est un lamala, si vous ne savez pas ce que c'est. Donc voilà, vous avez vu le lamala, ce que c'est. Donc ça, bon, c'est pas comme ça, un peu, on va, pas sec, mais on peut l'accompagner quand même d'une crème anglaise ou voilà. Mais ça, bon, c'est mon gâteau traditionnel que moi je fais tous les ans. Et cette année, bah, j'avais pas envie. Et bon, je vais surtout demander à Chouchou. Donc pour les nouveaux de la chaîne, les nouveaux abonnés, Chouchou c'est mon mari, donc je le dis à chaque fois que je parle de lui dans les vidéos. Je lui avais demandé, alors est-ce que tu veux un gâteau avec de la crème ou un gâteau sans crème? Il m'a dit avec de la crème, on reconnaît les gourmands. Hein. Donc j'ai dit, bon, je vais faire un mocha, voilà. Donc j'ai fait un mocha, bon normalement le mocha est rond, hein. Mais comme je l'ai fait dans mon Cape Factory, voilà, je vais arriver à le dire. J'ai pas le moule rond qui va dans le Cake Factory. Il faudra que j'en achète un ce jour. Mais bon, le cake rond pour le Cake Factory n'est pas très grand. De mémoire, je crois qu'il doit faire dans les 15 cm de diamètre seulement. Donc, ça fait pas des gros gâteaux. Hein. Donc, je l'ai fait rectangulaire. C'était aussi bien. C'est un nid rectangulaire, c'est tout. et donc, ça allait aussi bien, voilà. Je me répète. Donc, c'est un gâteau qui est fait à peu près pour 6 personnes. Donc, moi, j'ai fait un gâteau de 6 pour 2. Hein. On reconnaît les gourmands. Bon, on l'a quand même mangé en 3 fois. Mais même la troisième fois, le gâteau est resté super moelleux. Il n'a pas séché, rien du tout. Donc, la génoise que je fais reste super moelleuse plusieurs jours sans sécher. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, je vous ai mis en vidéo donc tout le déroulé de la vidéo, la recette, voilà, de ce que j'ai fait. À un moment, vous verrez que j'ai fait une petite tasse de café, mais je ne m'en suis pas servie. Et il manque une toute petite minute de vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ma caméra s'est arrêtée à ce moment-là, j'en sais rien. Je sais qu'à un moment, j'avais dû rebrancher ma caméra, donc c'est peut-être arrivé à ce moment-là. Juste au moment où j'ai fini de fouetter ma crème au beurre. Donc, vous ne voyez pas quand je vous la montre, quand elle est terminée, avant de la mettre dans le frigo. Bon,
c'est pas grave non plus, mais voilà, c'est juste ce tout petit moment que vous ne voyez pas. Et à la fin, par contre, j'aurais dû en faire plus de crème au beurre, parce que vu que le gâteau est est assez grand quand même, j'ai pas fait assez de crème au beurre, donc il m'en manquait un peu sur les côtés. Bon, le dessus ça va, mais sur les côtés, bon, c'est vertical, hein, donc comme j'ai mis des vermisseaux, joli. Ouais, des vermisseaux, c'est ça, on va à la pêche. Des vermicelles de chocolat, bah, ils n'ont pas tous bien collé sur le côté, mais bon, il n'y avait pas d'invité, hein, c'était que pour nous, donc c'était pas très très grave. Mais la prochaine fois, je ferai une quantité un peu plus grosse de crème au beurre. Bon, déjà, la crème au beurre, il faut beaucoup de beurre, hein. C'est ça aussi. Mais là, alors de mémoire, je crois que j'ai utilisé 300 grammes de beurre, je crois. Je ne saurais plus vous dire, mais je crois que c'est ça. Je crois que j'ai utilisé 300 grammes de beurre. Donc la prochaine fois, je crois que je ferai plutôt 400 ou 450 grammes. C'est énorme, hein. Oui, c'est énorme. Mais bon, à mon cas, c'est ce qu'il faut, hein. À mon cas, il faut du beurre. Donc on voit sur les côtés que c'est pas assez. J'ai pas assez mis de crème au beurre, mais bon, c'est pas grave. Il y en avait à l'intérieur, il y en avait sur le dessus. Et c'est parce que j'avais peur d'en manquer pour le dessus, faire ma petite décoration. Et pour faire ma décoration, le beurre, comme il sortait du frigo, la crème au beurre sortait du frigo, donc elle était un peu dure. J'ai galéré, mais galéré pour le faire sortir de ma douille. Je suis, oh là là, je dis, c'est pas vrai. Je devenais. Mais j'ai voulu me dépêcher avec pour la vidéo et tout, et voilà. Bon, c'est pas grave. Le gâteau est très beau, très bon. Donc, c'est tout ce qui comptait. Puis j'avais promis de vous faire la vidéo, donc j'ai encore la vidéo du gâteau d'avant à vous faire, et j'ai toujours pas monté la vidéo, je vais vous le faire, mais là c'est vrai que la vidéo est très 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 longue, puisque moi ça m'avait pris pour faire ce gâteau, ça m'avait pris 4 heures en tout, donc je vous dis pas comment la vidéo est longue. Donc il faut que je coupe, j'accélère, que... Donc, elle est vraiment très compliquée à faire, celle-là, de vidéo. Mais vous l'aurez. Vous l'aurez. Sinon, ben, voilà. Donc là, il n'y a plus de gâteau, hein, bien sûr. On a tout mangé. Mais je referai mon cas pour une prochaine fête ou quoi. Je suis en train de m'amuser avec ma grenouille. Ma grenouille. Tout, qui tire la langue. C'est une grenouille que j'avais fait en fimo. Elle est belle, hein. Bon, elle est un peu bizarroïde, mais ça fait longtemps que je l'avais faite, celle-là. Ça fait une paire d'années, hein. Ouais. Mais j'aime bien. Elle est pas top, mais bon. Voilà. La poussière, elle commence à avoir de la poussière partout. Mais bon. Je m'amuse avec. donc voilà, aujourd'hui, donc c'est vidéo pâtisserie. Donc j'espère que ça vous plaira. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, sous la barre d'infos, en commentaire, vous me posez vos petites questions. Et puis vous n'oubliez pas au passage de mettre des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir et ça fait connaître la chaîne dans le moteur de recherche de YouTube. Voilà. Je souhaite aussi une bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux et nombreuses, ça fait plaisir. Vous êtes aujourd'hui, alors que je ne me trompe pas, je crois que vous êtes à 4600 et des poussières, voilà. Donc, c'est super. Donc, je suis très heureuse. Et puis, voilà.
Allez, je vais vous laisser pour aujourd'hui, je vais vous laisser visionner cette petite vidéo. Donc il y a beaucoup d'accélérés, mais c'est normal puisque bon bah je vais pas vous mettre pendant un quart d'heure en train de battre mes blancs en neige, hein, sinon ça n'y aurait pas beaucoup d'intérêt. Mais il y a les explications en même temps sous la vidéo, sous les images de la vidéo. Donc s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, que vous voulez des explications un peu plus, n'hésitez pas. Allez, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous, bon visionnage.